Vidéo. Le gros coup de gueule d'Ariane Brodier sur les athées. Je m'en tape copyright. Jaco Videmoro barre oblique. Best image Ariane Brodier. Ariane Brodier a poussé un gros coup de gueule le mardi 8 mai dernier dans une vidéo publiée sur Instagram. Trop c'est trop. Le mardi 8 mai dernier, Ariane Brodier a poussé un gros coup de gueule dans une vidéo publiée sur Instagram et n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs. La comédienne, tout juste maman d'un petit garçon, balance avec un certain humour. Pourquoi sur les réseaux sociaux, les gens se permettent de te faire des critiques qu'ils ne te feraient jamais dans la vie ? Ouvrez les parenthèses. Non mais à quel moment, vous vous donnez le droit de faire des critiques non constructives ? Non parce que si c'était constructif j'accepterais. Quand tu me dis que je suis très moche, ça t'avance à quoi ? Et surtout, est-ce que tu oserais me le dire dans la rue ? Et s'il te plaît, non, c'était juste pour te dire, t'es très très moche. Apostrophe, ouvrez les parenthèses. Peut-être que ça te fait du bien, peut-être que tu aimes ça. Ouvrez les parenthèses. Je m'en tape de ce que tu penses alors arrête de t'acharner. C'est clair, net et précis. Heureusement, Ariane Brodier peut compter sur le soutien de ses nombreux fans. Tu sais quoi ? Moi je dis que tu es magnifique. Reste comme tu es, ne change pas, et ne fais pas attention aux critiques, tu m'as tué. La jalousie c'est fou comme ça rend con. Allez continue à nous faire rire, reste toi-même, et surtout change rien, j'adore. C'est la jalousie qui fait parler. Il faut laisser dire, si ça leur fait plaisir. Il faudrait ne pas être humain pour ne pas être touché par la critique sur le physique quand on sait que tout de notre société nous renvoie toujours à elle, image. Point Ariane, vous êtes simplement belle virgule intelligente avec beaucoup d'humour. Je vous adore. Doux bisous point.